Members of Congress. Membres du Congrès. Membres du Congrès. J'ai l'extrême privilège et l'honneur de vous présenter Son Excellence Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Merci infiniment. Merci. C'est trop pour moi. Tout ceci pour notre grand peuple. Merci. Chers Américains, vous savez, vous avez des États, des villes, des communautés. Vous qui faites la promotion de la liberté, qui croyez fortement, comme nous, les Ukrainiens, en la liberté de chacun d'entre nous, je vous présente mes salutations et j'espère que le respect pour le peuple ukrainien résonne dans chacun de vos cœurs. Madame la Présidente, la Vice-Présidente, merci pour vos efforts. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Ukraine. Madame la Présidente de la Chambre des représentants, vous avez été assez courageuse pour visiter l'Ukraine durant cette guerre abominable. Je vous en remercie. C'est un grand honneur que vous nous avez fait. C'est un immense privilège d'être ici, chers membres du Congrès, représentants des deux partis, qui sont également venus à Kiev. Chers membres du Congrès, chers sénateurs des deux partis qui viendront en Ukraine, j'en suis certain, à l'avenir, chers représentants de la diaspora. Vous qui êtes présents dans cette chambre, chers journalistes, c'est un immense honneur pour moi d'être présent au Congrès américain et de m'adresser à vous et à tous les Américains. Contre toute attente et malgré cette situation abominable, l'Ukraine tient toujours debout aujourd'hui. L'Ukraine est bien vivante. Bien vivante. Merci. Et cela me donne une excellente raison de partager avec vous nos pensées vers cette victoire. Nous avons vaincu la Russie dans cette guerre des esprits. Nous n'avons pas peur, et personne ne devra avoir peur dans ce monde. L'Ukraine a remporté la victoire, et cela nous donne du courage. Cela inspire le monde entier. Chers Américains, les Américains ont remporté la victoire, et c'est pour ça que vous avez réussi à unir cette communauté mondiale pour protéger la liberté et le droit international. Les Européens ont remporté la victoire, et voilà pourquoi l'Europe aujourd'hui est plus forte et plus indépendante que jamais. La tyrannie russe a perdu le contrôle qu'elle avait sur nous.
Et cela n'influencera jamais nos esprits. Cependant, il faut faire ce qu'il faut pour nous assurer que les pays du Sud remportent également cette victoire. Je sais que les Russes, et c'est très important, ne seront libres que lorsqu'ils auront vaincu le Kremlin. Cependant, la bataille continue et il nous faut vaincre le Kremlin, pas seulement dans notre esprit, mais sur le terrain. Il faut remporter la victoire. La bataille n'est pas seulement pour la vie et la sécurité des Ukrainiens ou toute autre nation que la Russie essaye de conquérir. Cette bataille définira le monde dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vivront, et leurs enfants et petits-enfants après eux. Cela définira si l'Ukraine sera une démocratie, mais également les Américains et tous les pays du monde. Cette bataille ne peut pas rester gelée ou ne peut pas être remise à demain. Elle ne peut pas être ignorée. On ne peut pas seulement espérer que on nous assure une protection des États-Unis à la Chine, de l'Europe, de l'Afrique à l'Australie. Le monde entier est interconnecté et interdépendant. Personne ne peut rester sur le bas-côté. Et en même temps, il faut que chacun puisse se sentir en sécurité. C'est impossible si de telles batailles continuent. Nos deux nations sont alliées dans cette bataille. Et l'année prochaine sera un tournant, je le sais. Un moment où le courage ukrainien et la résolution américaine doivent garantir l'avenir de notre liberté commune, la liberté des peuples qui défendent leurs valeurs. Mesdames et messieurs, chers Américains, hier, avant de venir ici, à Washington, j'étais sur la ligne de front, à Bakhmut, dans notre bastion à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Les militaires russes et les mercenaires russes ont attaqué cette ville depuis mai, jour après jour, nuit après nuit. Mais Bakhmut a résisté. L'année dernière, 70 000 personnes vivaient dans cette ville de Bakhmut et aujourd'hui, il n'y en a que peu qui restent puisque chaque centimètre de leur terre est noyé de sang. Il y a des tranchées dans le Donbass qui font l'objet de combats féroces plusieurs fois par jour. Mais le Donbass ukrainien résiste. Les Russes utilisent tout ce qu'ils peuvent, absolument tout, contre le Bakhmut et contre toutes nos magnifiques villes. Ils ont un avantage considérable en matière d'artillerie, de munitions. Ils ont beaucoup plus de missiles, de ressources que nous n'en avons jamais eues. Cela est vrai. Cependant, notre défense continue de résister et de tenir bon. Et nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers de nos forces de défense. La tactique russe est primitive. Ils détruisent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils peuvent.
Ils envoient des condamnés au combat. Ils essayent de faire tout contre nous comme toutes les autres tyrannies. Ils essayent de tout détruire dans le monde libre. Et d'ailleurs, les soldats américains ont battu Hitler à Noël de 1944. Et nous, les soldats ukrainiens, nous faisons la même chose contre les forces de Poutine aujourd'hui, en cette période de Noël. L'Ukraine se défend et n'abandonnera jamais, ne se rendra jamais. Par conséquent, sur la ligne de front, il y a une tyrannie qui ne manque pas de cruauté et qui s'attaque au monde libre. Et votre soutien est absolument essentiel, pas seulement pour résister dans ces batailles, mais également pour arriver au moment charnière de la victoire sur le terrain, sur le champ de bataille. Nous avons des ressources en artillerie. Oui, merci. Nous l'avons. Est-ce que c'est suffisant? Pas vraiment, si je peux être honnête. Pas suffisant pour assurer que Bakhmout n'est pas seulement un bastion, mais pour s'assurer que l'armée russe se retire complètement. Il nous faut plus de munitions, plus de canons, comme à Saratoga. La bataille pour Bakhmout va changer la trajectoire de la guerre, de cette guerre pour l'indépendance et pour la liberté. Si votre système patriote s'arrête, la terreur russe s'infiltrera dans nos villes et nous ne pourrons plus défendre cette liberté qui nous est si chère. Lorsque les Russes attaquent nos villes, ils essayent de les détruire avec des missiles. Et au-delà de ça, la Russie a trouvé un allié dans cette guerre génocidaire, l'Iran. Les drones mortels iraniens attaquent notre pays. C'est une menace à nos infrastructures critiques. Il s'agit de terrorisme. C'est une question de temps. Demain, ils s'attaqueront à vos alliés si l'on ne les arrête pas maintenant. Il faut agir dès maintenant. Je suis convaincue qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou entre nous, dans nos alliances. L'Ukraine n'a jamais demandé aux soldats américains de venir se battre à notre place. Je vous assure que les soldats ukrainiens peuvent absolument être efficaces lorsqu'il s'agit de faire fonctionner vos chars et vos avions américains. Évidemment, tous les systèmes de défense sont critiques et j'aimerais vous remercier pour votre apport financier. Merci pour votre soutien financier, celui que vous nous avez déjà fourni, et merci pour le soutien que vous allez donner peut-être à l'avenir. Il ne s'agit pas d'un acte de charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et dans la démocratie. Et c'est une manière d'agir parfaitement responsable. La Russie pourrait mettre fin à cette agression, vraiment, si elle le voulait, tout simplement. Mais vous pouvez accélérer cette victoire, je le sais.
Et cela prouvera à tout adresseur potentiel que personne ne peut violer les frontières internationales. Personne ne peut commettre d'atrocités et régner sur un peuple contre sa volonté. Il serait absurde d'attendre que la Russie instaure la paix. La Russie est toujours empoisonnée par le Kremlin. Il faut absolument défendre cet ordre international. Il nous faut instaurer la paix et la défendre. Oui, l'Ukraine a déjà fait des propositions dont j'ai discuté avec le président Biden. Notre plan de paix en 10 points doit être mis en place pour la sécurité collective, pour garantir cette sécurité à l'avenir. Et le sommet pour la paix qui doit être organisé, et je suis ravie de dire que le président Biden soutient cette initiative. Chacun d'entre vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, peut aider à nous assurer que le leadership américain reste solide. Grâce à cette union partisane. Merci. Vous pouvez renforcer les sanctions pour que la Russie en souffre réellement et on saute vraiment les conséquences de cette agression. C'est en votre pouvoir. Vous pouvez nous aider à rendre justice, car cette guerre est criminelle. Elle n'a jamais été provoquée par les Ukrainiens. Alors agissons. Faisons en sorte que ces terroristes que cet État terroriste doive répondre de ses actes, de ses agressions et compense toutes les pertes causées par cette guerre. Il faut que cette guerre cesse et que le monde voit que les États-Unis sont présents et bien présents. Mesdames et messieurs, chers Américains, dans deux jours, nous allons célébrer Noël. Peut-être à la lumière des bougies, non pas parce que c'est plus romantique, non, mais parce qu'il n'y aura pas d'électricité. Il n'y aura peut-être pas non plus de chauffage ou d'eau chaude ou d'eau courante. Et cela est le résultat des drones et des missiles et des attaques russes sur nos infrastructures. Mais nous ne nous plaignons pas. Nous ne jugeons pas. Nous ne comparons pas les vies des uns des autres. Cela est le produit de notre sécurité nationale, le résultat de votre combat pour l'indépendance. Et cela dépend de vos nombreuses victoires. Nous, les Ukrainiens, allons traverser cette guerre d'indépendance et de liberté avec dignité et succès. Nous allons célébrer Noël. Et même s'il n'y a pas d'électricité, la lumière de notre foi, la confiance que nous avons en nous ne sera pas éteinte. Si la Russie et ses missiles nous attaquent, nous ferons de notre mieux pour nous protéger. S'ils nous attaquent avec des drones iraniens et si notre peuple doit se protéger des bombes à Noël ou à la veille de Noël, et si l'on doit se cacher sous les tables pleines de décorations de Noël, eh bien nous souhaitons tous et nous saurons tous que des millions d'Ukrainiens ont le même vœu, celui de la victoire et rien d'autre, la victoire.
Nous avons déjà construit une Ukraine forte avec des fortes institutions et une forte armée, avec des garanties de sécurité fortes pour notre pays et pour l'Europe, avec vous et également avec vous, nos alliés. Nous allons combattre tous ceux qui veulent combattre cette liberté. Cela sera la base de la protection de la démocratie en Europe et dans le monde entier. C'est une période de Noël très spéciale et je veux vous remercier. J'en profite pour vous remercier. Je remercie chacun d'entre vous, chaque famille américaine qui profite de la chaleur de son foyer et qui veut que chaque foyer dans le monde connaisse cette même chaleur. Je remercie le président Biden et les deux parties du Sénat, de la Chambre des représentants. Merci de votre aide inconditionnelle. Je pense que vos villes, vos citoyens qui ont soutenu l'Ukraine cette année, qui ont accueilli ces Ukrainiens, qui ont déployé des drapeaux internationaux, qui nous ont soutenus. Merci à vous, merci à chacune des personnes qui est actuellement en train de se battre et qui se bat pour la victoire. Être aujourd'hui avec vous, aujourd'hui, je voudrais rappeler les mots du président Roosevelt, qui, je pense, sont très pertinents aujourd'hui. Le peuple américain remportera la victoire, absolue. Le peuple ukrainien remportera la victoire également, la victoire absolue. Je sais que beaucoup de choses dépendent de nous, de nos forces ukrainiennes, mais il y a également beaucoup qui dépend du monde entier, tellement en fait. Beaucoup des événements du monde dépendent de vous. Lorsque j'étais à Bakhmut hier, je voyais nos héros et ils m'ont donné un drapeau du champ de bataille, le drapeau de ceux qui défendent l'Ukraine, l'Europe, le monde, au coût de leur vie, au prix de leur vie. Ils m'ont demandé de rapporter ce drapeau, de vous le rapporter au Congrès américain, aux membres de la Chambre des représentants et des sénats, dont les décisions peuvent sauver la vie de millions de personnes. Alors, il faut que ces décisions soient prises. Il faut que ce drapeau reste ici avec vous, mesdames et messieurs. Ce drapeau est l'incarnation de notre victoire dans cette guerre. Nous résistons, nous nous battons et nous remporterons la victoire parce que nous sommes unis, l'Ukraine, les Américains et tout le monde libre. Une dernière chose, si je peux me permettre, une dernière chose, merci infiniment, que Dieu protège nos citoyens, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, joyeux Noël et joyeux nouvel an de la victoire. Gloire à l'Ukraine. Merci infiniment.
Je peux le tenir, allez-y. Ce drapeau est venu au Capitole aujourd'hui en honneur du président Zelensky. Merci, je le rapporterai chez moi. Merci, je vous souhaite le meilleur.